Et salut tout le monde, c'est Mastix, comment allez-vous? Bien écoutez, moi je vais bien, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Spyro. La dernière fois nous avions battu Tête de Fer, qui était le... comment dire... le boss du monde précédent, qui était le monde des je ne sais plus quoi. Alors... c'était pas le marais quelque chose? Je ne sais plus. Bon, donc là, on va essayer de remplir déjà ce premier monde. Enfin, pas monde complètement, mais je veux dire, nous allons déjà essayer de... Si, ça c'est le monde, mais c'est pas le niveau. Donc nous allons déjà remplir ce monde. Que se passe-t-il? Pourquoi il rapetit? D'accord, très bien. Donc ça part sur un blocage. Ah non, très bien. D'accord. Donc là, nous sommes dans le monde des tisseurs de rêves, hein, d'après ce que j'ai compris. Qui est plutôt joli, plutôt... Et sinon, je peux le taper ou ça se passe comment? D'accord, donc je peux pas le battre. Très bien. Ah, faut que j'attende qu'il soit petit, peut-être. D'accord. Bon, d'accord, le premier game over, oui, parce que quand je ne suis pas sur le jeu, le Spyro tourne tout le temps. Ne me demandez pas pourquoi. Ouais, d'accord, à mon avis, il faut que j'attende qu'il soit petit. Sauf pour eux, peut-être. Ouais, voilà, très bien. Donc là, il est petit, donc c'est bon pour moi, mais je m'en fous, je vais passer là. Je vais passer là. Est-ce que tu peux les attaquer? Non, tu peux pas. D'accord, très bien. Très bien, donc là, quelques joyaux. Ça ne m'en fait que 3, mais bon, c'est toujours ça de prix. Hop. Je vais récupérer ça quand même. Hop, recule-toi. Parfait. Parfait. Là aussi. Hop. Récupération du dragon. Bienvenue dans le monde des tisseurs de rêves, jeune dragon. Dans ta chasse aux serviteurs de Gnasty, attends-toi à l'inattendu et prépare-toi à l'imprévisible. D'accord. Donc on a Jean-Claude Van Damme. Ici, très bien. Alors. Ok. Peut-être. On va y aller prudemment. Feu. Donc là, ça part sur un monde. Là, ici, c'est bon, on l'avait déjà fait. Donc moi, j'aimerais bien battre ces deux blaireaux. J'ai pas l'impression que ce soit possible pour le moment. Là, j'en ai 3 qui ont été battus. Je sais pas comment faire pour aller les battre, ceux là-bas. Ah, peut-être qu'en passant par l'autre côté. Ouais, je pense que c'est ça. Ah non, parce que là, c'est Jacques. Alors, qui est ce Jacques? C'est une bonne question. Bonjour. Ah, ça va être le boss. Bonjour, l'aéronaute. On verra bien par la suite, peut-être que tout à l'heure ce sera beaucoup plus simple. Donc là, on est bon. J'aime beaucoup ce monde, il m'a l'air très, très sympathique. Waouh, la beauté! Deuxième Zikomo. Salut Spyro! Joli travail! J'en aurais terminé lorsque j'aurais grillé Nasty Nyork. Ouais, donc je suppose que le boss final ce sera donc ce fameux Nasty Nyork. Joli. Hop, là, pareil. Ok, là aussi. Bon, ça va pour le moment.
pas de difficultés majeures dans ce monde. Si ce n'est faire attention à ne pas tomber et à pas se faire battre. Qui es-tu, toi? Ah! Ça sent la bombe. Non? D'accord, j'ai compris. D'accord, très bien. Bon, par contre, une fois qu'on est là, qu'y a-t-il à faire? Non, pas grand-chose, hein. Ça ne donne pas accès à d'autres mondes ou d'autres lieux. C'est juste comme ça, très bien. Donc là, ici, on va récupérer le troisième dragon, tout de suite. Les idiots de ce monde sont invincibles. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les attaquer. J'ai compris. Ok, parfait. Très bien. Bon, tant qu'il m'attaque pas, lui, ça me dérange pas. Hop, alors, combien il y en a? 300, donc les trois dragons, je les ai. Ok, ça c'est bon. Par contre, là, oui, non, je ne vois pas par où je peux aller. Bon, on va repartir par là. Il peut bien y avoir un... Ah oui, là. Voilà, très bien. Hop. Donc là, on a la beauté de la chose. C'est très sympathique. J'aime beaucoup. Donc là, nous revenons à notre point de départ. Très bien. Par contre, j'aimerais bien pouvoir aller battre ces deux... Hop, hop, hop. Superbe. J'aimerais bien battre ces deux-là. Je sais pas comment faire. Pourquoi il les attaque pas, ce con? Pas tenter le diable parce que là je n'ai plus de vie, enfin j'ai plus que ma petite tête à moi. Faut que je crame des champignons. Alors voilà, je vous ai demandé deux champignons, très bien. Et là je vous avoue que je ne sais pas par où je dois aller. Si je ne peux pas détruire ces deux personnages... Ah, je suis pas allé par là. Oula. J'ai failli décéder. Si, je suis venu par ici. C'est chez Jacques. Bon. Alors, par où aller? Je pense qu'on va repartir par ici. Et au lieu d'aller vers la droite, nous allons aller vers la gauche. Non, mais non, mais non, décède pas, putain! Excusez-moi pour cette vulgarité. Oui, ta gueule. Voilà. Ok, donc là on est bon. Là on est bon. Je vais pour l'instant récupérer les joyaux. Pourquoi ne veut-il pas que je l'attaque? Voilà, parfait. Parfait. Voilà, normalement ça devrait être bon. Les deux. Voilà, c'est bon ça. Donc
Donc là, bah, visiblement, on a bientôt terminé le niveau parce que nous sommes déjà à 230 et quelques. 238. 237, pardon. Voilà, donc le petit lutin, donc en mode. Alors là, je ne sais pas ce qu'il me fait, mais. Je suppose que c'est important. Très bien. D'accord, donc oui, j'ai compris. Voilà, donc ça c'est parfait. Ça le fait, on est bien, on est bon. On se recule. Nous sommes à... Ah ben ça y est, je pense que c'est l'étape finale. Nous sommes déjà à 280. 5, nous allons arriver à 300, je pense. Ah non, même pas, il nous manque 10 joyaux. Très bien, donc c'est pas du tout par ici. Alors là, cela m'embête parce que pour 10 joyaux, je ne vais pas pouvoir terminer ce niveau. Alors, pour retrouver 10 joyaux dans un monde, c'est très compliqué. Bon, alors on va revenir sur nos pas. Ici, je pense qu'on a tout. On va vérifier là. Ouais. Là, ici, on peut pas passer derrière. Là, ici non plus. Ah, l'enflure! Donc ça doit pas être par ici. Les 10 joyaux doivent être ailleurs. Mais où? Ça, c'est la grande question. Alors, est-ce que ça peut être par là? Non, absolument pas. Oh! Donc sans difficulté. Ah, par contre, là, ça va me saouler, là, pour retrouver les petits joyaux. Non, ils sont pas là. Ça va être un vieux coffre pourri, non? Bon, je vais essayer de remonter, là, mon petit truc. Là. On va essayer de remonter là, on va essayer de voir un peu ce qu'on a là-haut. Est-ce que je suis peut-être allé trop vite? Réussi à monter jusque là. Il a l'air d'y avoir rien du tout. Alors est-ce que c'est là? Non, pas du tout. Alors là, je vous avoue que je vois pas du tout où est-ce que je pourrais l'avoir oublié. C'est peut-être un ennemi que j'ai pas battu, hein, après. Je vais essayer de voir ça. Du coup, je pense que je vais accélérer toute la séquence là jusqu'à ce que je retrouve, parce que ça va être trop long sinon. Vous me comprendrez bien. Est-ce qu'il y aurait des trucs à faire avec ça? Non, derrière, absolument rien. Non, rien du tout. Que faire par ici? Rien. Par ici, je vais tout renter. Non. Ah là! Et voilà. Putain. Eh ben j'en aurais chié. J'en aurais chié. Bah voilà, donc je pense que c'est bon. On peut, de toute façon, on peut pas rentrer à la maison. Donc on va se quitter là devant les tours hantées. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et salut tout le monde. Bye bye. Stay online.